présenté par la police pour que je vienne ouvrir ces portes-là de force. Je leur ai demandé s'ils avaient un mandat. Ils m'ont dit non. Je tiens à rappeler à tout le monde que voilà les gens qui veulent diriger l'Africa Foot. Africa Foot, appelez les gens de Africa Foot. Voilà ceux qui veulent diriger. Elle n'a pas de maison, mais elle veut diriger toute une équipe de football. Il n'y a pas de honte. Je fais cette vidéo de manière éducative. Oh, quelle éducation? Tu as éduqué qui? Tu n'es plus milliardaire. Mais chef de soeur, elle parlait d'éduquer la jeunesse. Elle a fini de mentir la jeunesse. Maintenant, elle vient parler de manière éducative. Pourquoi tu n'as jamais éduqué la jeunesse? C'est quand ça t'arrange. Dimanche, à l'Omnisport, mes bureaux. Il n'y a pas de honte à être locataire. Moi, je n'ai que 40, j'aurai 41 ans. Elle ne connaît pas son âge. On loupe, les locataires ont des droits. On peut douter sur son âge comme ça. Tous les ans, 41 ans. Je n'ai pas de contrat avec elle. Maman, ton âge est calé à 41. Qu'elle vient faire les vidéos. Vous avez fait 25 mois sans payer. La décision de justice est sortie hier vendredi. Vous pensez qu'avec les relations, vous allez habiter chez les gens sans payer. Tu comptais cette affaire avec Madame Evoutou. Hein? Madame Evoutou ne vous doit rien. Au tribunal, elle est tombée, elle s'est évanouie. Elle a fait pipi sur elle. Elle n'a pas fait pipi, c'est chez elle. L'essentiel, c'est que tes choses soient dehors. De répondre parce que je suis gênée. Donc, elle attend pendant que je suis en train de voyager. Elle vous publie la vidéo pour vous dire Marlène Evoutou est en train d'être expulsée. Mon frère, je te remercie. Hein. Voilà. Je suis actuellement au Cameroun dans quelques jours et toutes les diligences juridiques vont être faites. Je n'étais pas là. Je n'ai pas besoin de vous prouver quoi que ce soit. Tu prouves, là tu es déjà te prouver. On me dit que le direct est coupé, je vais peut-être encore entrer dans la... Non, je la noblesse banale, je n'ai tous les contrats que vous voyez que j'ai... Depuis quand elle bégait? Je les paye. Tu payes où? Publié tout à l'heure les factures. Pourquoi n'est pas... Mes chers frères et sœurs... Pourquoi ne pas aller vivre chez toi et louer chez les gens pour faire le bureau? Cette vidéo a été tournée avant mon départ du Cameroun. Donc hier, c'était de la manipulation. Vendredi, on s'en fout. Même si elle a fait pipi, tu es sorti de sa maison. Le réitéré le fait que Madame Evoutou ne vous doit pas de l'argent. Oh, blogueuse de l'image. Elle alléguait que c'est moi qui lui ai présenté le blanc, dont en principe, c'est moi qui l'ai contacté tout ça. Maman, ton visage rempli de honte. Je vais rentrer dans le direct passe. Elle bégait depuis quand? D'accord, ok. Tu oublies ton âge, maman. Rien à vous prouver. Ça te fait mal, hein? Tout ce que j'ai à vous prouver, ce sont mes actions que je mène. Quelle action? Vous créez les associations pour escroquer le gouvernement. En bonne santé. Je ne suis pas malmenée. Il fallait absolument que je vous fasse direct parce que mon WhatsApp est inondé. Des gens qui sont vraiment mal, qui pensent que je suis mal. Non, j'étais en voyage. J'étais obligée simplement de vous faire des petits teasings, des petites vidéos pour vous dire je vais bien. Je vais bien. Ne vous inquiétez pas pour moi. Je ne dois pas de l'argent sur la vie de mes enfants. Je ne dois pas un franc à madame. Et le tribunal l'a confirmé. La somme qu'elle réclame est tellement dérisoire. Combien? Au point où combien? Je peux sacrifier mon image, ma notoriété blogueuse et bêta. Monsieur Joly ne lui doit rien non plus puisqu'elle n'a jamais attaqué Monsieur Joly pour quoi que ce soit. Maman, vous vivez chez les gens, vous comptez sur que je suis de tel type, vous n'avez pas payé le loyer des gens. Allez construire vos maisons, dis donc. Voilà, donc moi je vivais avec Monsieur Joly. Nous vivons séparément actuellement. Et toutes les transactions que Monsieur... Donc le mariage est fini, maman. Tu ne nous as pas fait le compte rendu. Donc ta part de mariage est fini. Hey, on va tout voir. Facebook aussi, everything. Facebook ou Gonassos aussi. Donc le mariage avec le juif milliardaire, mutu, avec les enfants nés déjà riches, là, c'est fini. Swan. Monsieur Joly, en fait, ne me concerne en rien. Écoutez. C'est ce que la justice a dit. Écoutez. Bonjour, je vous disais, bon, je suis dans ma chambre d'hôtel, c'est sous une grotte. Et puis, on n'a pas de lumière. Tu as l'habitude de vivre dans le noir. Et j'attends que vous dans la grotte, comme si c'est la première fois. Parce que direct. Tu vas allumer le feu de bois.
Vous allez pardonner, hein. La lumière, c'est pas de mon fait. Je vais essayer de sortir pour connaître la lumière. Mais bipez tout le monde, bipez les gens. Hier, j'étais en voyage. J'étais en train de voyager. Je ne pouvais pas m'adresser à vous. On t'a chassé, oui ou non? Donc, essayez de partager la vidéo. La honte. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Je voudrais m'exprimer. Et moi, la belle, ça m'a révélé tailleur le bon cas. Actuellement, je suis dans ma chambre. Je taille le bon cas, monsieur Joly. Donnez-moi son adresse, ça manque. On va faire un effort de sortir tout à l'heure. Le bon cas, gratuit plus une levrette. Levrette plus bon cas. Vous allez pardonner, je ne suis pas maquillée. Que tu filtrata. Filtrata. Je suis à l'hôtel Djeliba au Niger. Hier, je ne pouvais pas. Blessé de guerre, c'est 20h. N'oubliez pas, blessé de guerre. En fait, la vidéo que vous voyez qui circule a été enregistrée après la décision de justice. Ah, c'est le montage. Qui m'a déclaré non coupable de filouterie de loyer. Il s'agit en fait d'une manipulation de la part des communicants et de madame Afan pour vous faire croire qu'elle est venue m'expulser parce que je lui dois 25 mois de loyer ou 27 mois de loyer. Je ne lui dois rien. Je vous le répète, je dois rien à cette femme. Cette femme, Monsieur Joly, et elle et moi, nous avions signé un accord dans lequel je suis sortie. Elle est restée avec Monsieur Joly dans cet accord. J'ai été interpellée par des hommes qui se sont présentés comme la police. Tu cherches quoi là-bas avec les sacs à main? Mes chers frères et sœurs, cette milliardaire Mbrakata, c'est une menteuse parce que... Mes chers frères et sœurs, c'est une mytho parce qu'elle dit que... Elle est sortie de l'accord. Mais si tu es sortie de l'accord, sors de la maison. Sors de la maison. Tu sors de l'accord, tes sacs chinoiseries cherchent quoi dans les placards d'autrui. On va revenir. Écoutons-la d'abord. Elle dit qu'elle est sortie de l'accord, mais elle reste dans la maison. La maison et de ça. Ces personnes m'ont conduite manu militari dans cette maison-là. En m'intimant l'ordre d'ouvrir les portes. Je leur ai dit, je n'avais pas les clés. Ils ont forcé, vous aurez toutes les vidéos. Ils ont forcé les portes. Mais ils ont cassé. Ils ne cassent, c'est chez eux, les cassent. J'ai fait venir un huissier, Maître Badouana. C'est chez toi. Il leur a demandé, est-ce que vous avez une décision de justice d'expulsion? Ils ont dit non. Est-ce que vous avez un mandat d'arrêt contre cette dame? Ils ont dit non. Nous étions dans l'illégalité totale jusqu'à présent. Je n'ai pas voulu vous en parler parce que dans le cadre des procédures judiciaires, on ne fait pas de commentaires dessus. Allez payer vos loyers, madame. À la défaite qu'elle a eue vous vendredi 14 sur Facebook, vous arrachez les choses des gens. Qu'elle s'est dit, elle va noyer le buzz en publiant cette vidéo-là. Vous avez vu, j'ai été agressée. Madame Afan Francine, c'est une femme de Samblima qui m'avait contactée au moment où M. Joly devait venir s'installer au Cameroun. M. Joly lui a fait les transactions financières que je vais vous publier. Il y a eu des transactions entre elles. Elle décide de me salir, elle m'attaque en justice en filouterie de loyer. La justice lui a fait comprendre que vous n'avez aucune relation juridique entre cette dame et vous. Donc, en principe, elle n'est pas votre locataire, elle ne vous doit rien. Mais ce n'est pas parce que je ne suis pas sa locataire que je ne lui dois rien. Deux choses déjà. Le concret n'est pas et le en compte. Relation avec elle. Et que quelque chose qui appartient à M. Joly et dont M. Joly est l'occupant, je n'ai pas le droit d'y être ou d'avoir mes affaires là-dedans. Donc, la décision de justice est tombée, elle est claire. Actuellement, je suis au Niger, comme je vous ai montré. On s'en fout, tu nous as déjà trop montré. Tu nous as montré déjà beaucoup. On ne croit plus. Je suis au Niger, je n'ai pas pu vous répondre. Attends, je suis désolée. Tu aimes trop prouver, c'est ça qui entraîne ta chute. Tu es au Niger, point. Tu appelles maintenant le gardien, pourquoi? Ça ne s'est pas passé hier. Le gardien vient maintenant témoigner par rapport. Tu es au Niger, point bas, tu prouves quoi? Tu l'appelles pourquoi? Le gardien de toujours. Je m'abstiens de donner plus de détails. Je voulais simplement vous répondre en vous disant que je n'ai pas un contrat de location que j'ai détruit la jeunesse. Je vais vous présenter le gardien. Claude Lille a détruit toute la jeunesse camerounaise. Comme si j'étais chargé de représenter. Je suis chargé par le gouvernement pour représenter la jeunesse. Je suis française dans mon pays. Donc je représente la jeunesse française alors. Je suis pour mon travail. Je vous avais déjà présenté que j'ai des activités ici. Ah, Kalessa. Pendant que j'étais en vol, ne dis rien de bon. Ils ont diffusé la vidéo en faisant croire que je suis en train d'être expulsé. Mais je bien suis sûr. Pas au Cameroun. Quand je reviendrai au Cameroun, on va faire
toutes les diligences nécessaires par rapport à ce qui s'est passé. Tout ce qui intéresse cette femme, c'est attaquer à mon image. La transaction immobilière entre M. Joly et elle ne me concerne pas. M. Joly était mon époux. Voilà. Je vis séparément de M. Joly depuis un certain temps. Donc, elle m'a fait interpeller par des gens qui se sont présentés par la police pour que je vienne ouvrir ces portes-là de force. Je leur ai demandé s'ils avaient un mandat. Maman, vantez-vous avec vos biens. Hein. Ceux qui ont les maisons, vantez-vous. Hein. J'ai construit une maison en gousseau. Mon titre de propriété est sur mon mur. Mais même cette dame, quand elle dit... Tu as construit la maison, va vivre chez toi, non, ma? Il n'y a pas de honte. Je fais cette vidéo de manière éducative. Éducative, tu éduques la jeunesse depuis quand? Je loue tout un bâtiment à l'Unisport pour mes bureaux. Les bureaux de quoi? Il n'y a pas de honte à être locataire. Excusez-moi. J'aurai 41 ans. Elle a oublié son âge. On loue, mais les locataires ont des droits. Si cette dame a un contrat avec moi, je devais régler ses loyers. Je n'ai pas de contrat avec elle. D'accord? Qu'elle vienne faire les vidéos. Vous avez fait 25 mois sans payer. La décision de justice est sortie hier vendredi. Vous n'avez aucune relation contractuelle. Vous n'avez aucune relation contractuelle avec Madame Evoutou. Madame Evoutou ne vous doit rien. Contractuelle. Au tribunal, elle est tombée, elle s'est évanouie. Bon, le français dit que le Gokin, oui. Oh. Moi, ça m'a fait mal parce que c'est une femme de chez moi. J'ai même pas la force de répondre. Tu as la force. Parce que je suis gênée. Tu es gênée. Donc, elle attend pendant que je suis en train de voyager. Elle vous publie la vidéo pour vous dire... Mais tu étais donc là d'abord, non, ma? N'est-ce pas qu'on t'a perçu? Tu étais là. Je suis actuellement au Niger. Je rentre au Cameroun dans quelques temps. Tu allais reposer ton cerveau qui te fait réfléchir. Tu ne sais pas ce que tu vas dire au Camerounais. Je n'étais pas là. Tu n'étais pas là. On me dit que le direct est coupé, je vais peut-être encore entrer dans... Qu'elle n'était pas là, les gens. Non, la noblesse banane, je n'ai tous les contrats de loyer que j'ai au Cameroun, je les paye. Elle n'était pas je là. J'ai publié tout à l'heure les factures. On ne veut plus les factures, la maison. C'est bien moi dans la vidéo. Oui. C'était bien moi. On t'a excusé. Mais cette vidéo a été tournée. Tournée. Avant mon départ du Cameroun. Oui, voilà, tu étais donc hier, là. Hier, c'était de la manipulation. Vendredi, la décision est sortie. Le tribunal lui a réitéré le fait que Madame Evoutou ne vous doit pas de l'argent. Allons voir sa copine qui conçut la maison. Elle a allégué que c'est moi qui lui ai présenté le blanc, dont en principe c'est moi qui... Le blanc a dit que ton mari... Bon, bref, je ne vais pas rentrer dans le direct pass. Entre. Ah d'accord, ok. Donc, moi je n'ai rien à vous prouver du tout. Tu nous prouves tout toujours. Tout ce que j'ai à vous prouver, ce sont mes actions que je mène sur le terrain. Tu allais faire l'association pour entrer en politique. Chopard, voilà sa copine. Elle a, elle, sa maison. Marthe Chopard, tu peux te vanter, hein? Elle compte l'argent ici. Elle sort là. 1 million. Voilà sa copine milliardaire. Au moins, celle-ci, hein? Quoi que ce soit, n'est pas problème. Celle-ci a sorti 1 million en compte. Oh, Marthe Chopard dans son lit. Oh, non, le volume là va déranger. Sa copine Marthe Chopard elle est en chantier, elle mange au pangolin. Voilà un pangolin que ta copine mange avec le bon vin. Ouh. Depuis le palais d'Odja, la nuit, maman regarde le palais d'Odja. Depuis le palais d'Odja, maman les assiettes de ça. Depuis le palais d'Odja, le palais d'Odja avec le bon vin français. Ah oui, Marthe Chopard, tu connais la belle vie, maman. Là, ouh, la vie d'Odja. Oh, ngongolingong. Maman a crié de ça. Depuis le palais d'Odja. Non, pas au palais d'Odja. Eh, hey, va le palais d'Odja. On est en train de construire. Je vais te changer parce que tu bosses comme un... Ah oui. Comme un robot. Je n'ai jamais vu ça. Femme de l'heure, Marthe Chopard, la femme de l'heure. Il y a un jour quelqu'un sur le chantier, comme un chinois. C'est qui est sûr? C'est qui est? Maman. Il vient me dire là que oh, ces deux maisons, on a sous-estimé. C'est la même. Oui, on a sous-estimé. Oui. Pourquoi Marthe Chopard pas tout comme celle-là, le bonbon? C'est la même chose que là, le duplex. Maman, la milliardaire d'Odja. Les chambres sont énormes. Oui. La milliardaire d'Odja. Comment pas tu comme celle-là, le bonbon, là? La milliardaire d'Odja.
Ouais. Milliardaire de Oja. C'est qui ici, Eke? Abimité. Voilà. Abimité. Je vous somme de sortir de là où vous vous êtes retranché. Voilà, là, on la cherche. Parce que je suis là pour récupérer ma maison. Donc, vous n'avez pas de contrat de bail. La vraie propriété donc, est là. Vous êtes une squatteuse chez moi. Je vous prie de sortir de là où vous êtes maintenant. Maintenant, sortez de là. Voilà. Sinon, je vais demander qu'on vous sorte. Mais, chère de soeur, pourquoi je mets ceci? Parce qu'elle dit qu'elle n'était pas là. Que c'est pour la manipulation. Écoutons bien comment on lui parle. Elle est là. Caché dans le placard. C'est depuis son placard qu'elle parle. Je vous somme de sortir de là où vous vous êtes retranché. Oui. Parce que je suis là pour récupérer ma maison. Elle s'est retranchée, les gens. Donc, vous êtes une squatteuse chez moi. La squatteuse est retranchée dans les placards. Je vous prie de sortir de là où vous êtes maintenant. Elle s'est retranchée dans les placards. Sortez de là. Sinon, je vais demander qu'on vous sorte de force. Elle est tranchée dans les placards. Elle est enfermée. Poliment. Sortez, s'il vous plaît. Voilà. Sortez de là où vous êtes. Parce qu'on a besoin de libérer cette maison. Regardez où elle vit. Il n'y a pas de locataire dedans. Aucune décoration. Regardez la maison du milliardaire, d'une future directrice de l'Africa Foot. Sortir de là où vous êtes, Madame Mbouta Kadi Malène. Sortez de là, s'il vous plaît. Ça dit que future mini. Voilà ça. Attendez, hein. Voilà. Attendez, elle est sur mon mur, hein. Elle parle quoi? Oh, le palais d'Oja. Maman, au moins tu es chez toi. Au moins tu es chez toi. Excuse-moi d'avoir dit que ça ressemble à l'église de EPC. Ta maison est belle. C'est juste qu'il faut refaire la peinture. Voilà. Donc, on va... Je vais sur mon mur. On va aller ici. Maison sans décoration, sans rien. Monsieur Joly n'est pas là. Sortez. Sortez. Elle est cachée. Mais vous avez dit que vous n'êtes pas dans cette maison. Qu'est-ce que vous faites encore à la fenêtre à supplier? Elle supplie. J'enlève les enjeux de monsieur Joly. Maman, regarde comment la maison est dégradée. Regardez comment la maison est dégradée du milliardaire. Regardez la peinture. Monsieur Joly et vous-même, vous êtes des squatteurs. Regardez. Parce que vous n'avez pas de bail avec nous. Oh, challenge maison. Ma font gonfler. Bon, joyeux anniversaire, ma soeur Chéline de Manu. Joyeux anniversaire. Que le Seigneur te bénisse et te protège, ma soeur d'amour. Et puis vous avez tellement de maisons à Yaoundé. C'est ce que vous avez dit à la cour, non? Et ça ne vous manque pas où aller dormir. De Manu à l'immeuble. Elle a sa maison en France. Hilton, comme d'habitude. Big up, ma soeur de Manu. Big up. Regardez. C'est des photos truquées, c'est photos matons. Maman, quand tu es propriétaire, le goût de ça. Que je vois ton visage brûlé là. Ndem yembre sine wuma. Ndem nungu. Ne fais pas que je m'énerve, hein. Attendez, attendez. Elle caresse le ventre de l'huissier. Cette femme a toujours soutenu qu'elle n'a pas de bail. Elle caresse le ventre de l'huissier. Elle n'a pas ici. La partie qui m'intéresse. Elle dit qu'elle n'est pas là, non? Regardez. Dibendi, sans Mélima. Vous savez quoi? Cette femme a toujours soutenu qu'elle n'a pas de bail avec moi. Elle n'habite pas ici. La voici, elle nie quoi? Elle discute quoi? Voilà cette femme qui dit qu'elle n'était pas là. On a traficoté la vidéo pour faire quoi? Regardez les placards du milliardaire. Regardez bien le dressing, regardez un peu le dressing. Elle dit qu'elle ne vit, va vivre chez toi en Gousse, on voit. C'est grâce à moi que vous allez tous vous construire une maison. Vous allez avoir un domicile. Oh ha! Regardez. Ici. Non, donc, regardez. Tu as trouvé les boulous. Tu es tombé sur les boulous. Oh ha! Ne touchez pas, j'ai ce qui m'appartient. Hey. Dans ma maison. Hey,
chinois de ça. On ne peut pas te laisser. Vous squattez chez moi. Ne touchez pas. Vous squattez chez moi. Vous dites ne touchez pas. Et vous avez dit que vous n'avez pas de contrat avec moi. Sortez d'ici. Balancez les bêtises. Le goût d'être propriétaire. Mes affaires, laissez mes affaires. Ne me touche pas. Le matelas au sol. Mes chers frères et sœurs, regardez une vendeuse d'illusions. Eh Seigneur, bête à moi, fleur de lys, moi ici dans mes 60 mètres carrés. Le matelas au pâté, le matelas au sol. Mes chers frères et sœurs, cette femme habite dans cette maison. Elle dort par terre. Sans sommier. Putain de bordel. Regardez le placard. Regardez son placard, le dressing, regardez. Putain, quelle humiliation. Putain de bordel. Ce sont les voisins. Regardez. Tout ça va sortir, s'il vous plaît. Tu as trouvé les gens de Saint-Mélimassou en chemin. Mof, on t'a eu. Relation plus relation, égale relation. Je ne connais pas ces gens. Mais ça, regardez. Appelle même Paul Biya. On dit que, hein? Appelle même Paul Biya. Il y a les gens qui ont dit au Cameroun que... Hein? Chers voisins, on dit qu'appelle même pour étudier. Vous comprenez? Vous croyez que Paul Biya ne gère plus le Cameroun? Regardez, vous pensez que Paul Biya ne gère plus ce pays? Hein? Que le président de la République ne gère plus le Cameroun? Hein? J'ai dit que... Hein? Regardez, la maison d'une milliardaire. Maman même lavait le sol là départ. Regardez les taches au sol. Regardez comment c'est sale. Ish, maman, elle ne peut pas vivre dans la qualité là. On finit, on peut vivre là. On va dans le luxe du Cameroun. Fleur de lys, terriblement, oh. Maman a terriblement. Regardez, où est d'or. Le cabas de la gloire glorieuse. Ici, les chefs, là, ce sont les valises, hein, ici. Ce sont les valises qui sont là, comme ça. Ça, elle est sale. Putain, mais qu'est-ce que c'est crasseuse, crado. C'est crade. Le malheur que j'ai eu, c'était Madonna. Madonna, hein? Regardez. Le matelas au sol, regardez. C'est elle qui va être présente. Que Samuel Eto'o meurt là-bas à l'Africa Foot, hein. Qui restent là-bas à vie? Les pauvres comme ça qui n'ont pas de maison, ce sont eux qui veulent être dirigés le football camerounais pour se remplir les poches. Lui, au moins, s'il a la maison ici à Paris, hein, dans le 16e, hein, je connais le chez lui. Pas le bébé. Quand on dit, on change le code là-bas chaque jour. N'importe quoi. Regardez, c'est, regardez le matériel, regardez les habits partis, regardez. Regardez. Madonna, regardez les toilettes. Regardez les toilettes d'une milliardaire. C'est quoi ça? Tu ne peux pas changer les carreaux. C'est quoi le bleu, bleu? Regardez un peu. Mes chers frères, regardez les lave-mains d'une milliardaire. Dans les toilettes d'une milliardaire. Regardez. Là, voici, voilà les affaires. Elle dit qu'on l'a persécuté. Ce sont les choses de qui ici? Maman, pourquoi tu mens à la jeunesse? Pourquoi tu mens? C'est même d'abord dans quel quartier ça? Tu ne pouvais pas aller à Bastos. N'est-ce pas? Tu es riche. Tu cherches quoi en Gousso? C'est quoi le quartier là? Papa est au président à vie, mais là-bas, je veux que tu restes 40 ans au pouvoir comme le président Paul Biya. Prends l'Africa Foot, tu fais de ça ta chose. C'est ta chose. C'est ta chose. C'est pour toi. Pas une pauvre femme comme ça qui a fait la prison. Quand elle est sortie de Ngata, je lui ai donné un plat de tarot. Cette femme est sortie de la prison. Elle est venue m'insulter. Elle a oublié qu'elle avait donné à manger. Elle a bu deux Guinness. Elle avait le maillot du Cameroun. Maman, il faut voir, elle était assise dans un ganda au Cameroun. Je l'ai offert à boire et sortir de la prison. Mais elle m'a lavé jusqu'à... Comment je suis pauvre? Comment c'est moi qui garde la jeunesse camerounaise? Maman, on m'a mandaté pour défendre la jeunesse.
On m'a mandaté pour représenter la jeunesse camerounaise. Restez là, n'éduquez pas vos enfants. Moi, je n'éduque pas les enfants, j'éduque les femmes, les mères au foyer. J'encourage la femme à être indépendante et fière. Regardez. Moi que vous traitez ici sur Facebook. Avec M. Jeux, ce n'était pas la bordelerie, c'était quoi? Voilà tes choses. C'est quoi ça? C'est les traverses du lit. Regardez bien. Les traverses du lit, il n'y a même pas de sac poubelle pour cacher. Les chaises en plastique, maman, tu avais alors quoi de bon? Regarde tes affaires dehors, on ne peut même pas vendre aux enchères, il n'y a rien de bon. Rien de bon. Regardez les affaires du milliardaire, on ne peut même pas vendre aux enchères. Qui va acheter ça? Regardez. Les enfants ne suivaient pas. Voilà, propriété, tu es tombé sur une juge. Ils vont mentir aux gens à la télé. Oui, maman. Des escrocs. Merci, maman. Il ne faut pas les suivre. Oui. Il faut travailler, il faut aller à l'école. Vous c'est ce que je laisse dire tous les jours. Vous avez les diplômes. Tous les matins, vous allez au travail. Merci, maman. Tu l'as fait. C'est pour ça qu'on a fait cette maison. Et une escroc est venue. Je suis personnage public. Oui, maman. Les enfants. Oui. Regardez bien, ça risque. Ne fais pas que je m'énerve. Maman, bipez-moi ces vieux bordels. Tous ces vieux bordels là. Je voudrais qu'on ait une pensée pour. Ouais, c'est pas possible. Woho! 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 Ouais, oui, même la belle maison de ma mère que j'ai refait. En attendant, quand elle dit que maison de ma mère que j'ai refait, c'est moi qui ai acheté le terrain, c'est chez moi. Ah oui. C'est Jean Nango en direct. Hey, 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 hey. Maman, bipez-moi là-bas. Oh. Bipez-moi. M'avait guetté. N'importe quoi. Tu connais le prix d'un sac de ciment, maman? Regardez. Ça, c'est une dalle. Elle connaît le prix d'un sac de ciment. On rentre au Cameroun. Vous entendez que Jean rentre au Cameroun. Tu n'as rien. Tu rentres au Cameroun. Vous avez qu'on rentre au Cameroun. Les mains vides. Voilà une dalle. Ça, c'est une dalle. 250 mètres carrés de dalle. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà une dalle. Je suis fier, je monte. Oh, ah. Oui, il faut montrer. Voilà la dalle. La future maison de Fleur de Lune. Future villa. C'est la dalle. C'est de ça qu'il s'agit. 250 mètres carrés de dalle. Le chantier a débuté au mois de février. La dalle était coulée. Vous avez vu. On va se construire en mettant ce que vous devant vous. La personne qui n'est pas contente met sa tête au rail. Parce que vous avez souvent dit que wow, wow, c'est monté, c'est descendu. Ah oui. On va sauf que montrer et motiver tout le monde. On va sauf que montrer. On ne montre pas que. Les gens. Oh, vraiment. Pitiation. Ça me fait de la peine, hein. Ça me fait vraiment de la peine. Ça me fait de la peine. Oh, je suis en train de faire direct avec mon téléphone. Oh là là. Oh, ma faux. Oh là là. Attendez, je vais descendre bien là. Oh, Fleur de Lune. Ça, c'est... Oh. Attendez, je cherche, non? Mais je vous pose une question. Maman. Maman, vantons-nous avec nos choses. Quand ça t'appartient... Les sacs à main, tout ça peut sortir tout. Je jette ici, là, vous voyez. Maman Sarah, hey, j'ai compris que les femmes là me jalousent, vrai, vrai. Merde! Donc vous me jalousez, vrai, vrai. Non, Massa. Non, 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 soyez fiers, maman. Avant-toi, c'est une fierté. Pardon, ceux qui vont encore venir faire les élections au Cameroun, regardez d'abord ce qu'ils possèdent. Cette femme m'a trop déçue. Oh là là, je suis déçue. Je suis tellement déçue. Quand j'arrive au Cameroun là-bas, que je filme où je suis, elle aime trop montrer, maman. Mieux, hein. Maman, mieux je me mets, je montre. Les gens, soyez fiers. Ndemanou a conçu là-bas. Il faut voir où elle est. Ma soeur, ma tati ou ma. Ngombre, c'est un peu près là, non. Arrête de dire que mon père était va construire ta part. Des diamants démasqués. Va construire ta part.
Mettons y'a, voilà. Ouvre la ligne, ma soeur, je lave. C'est... Attends, le soir, non. Je vais dormir un peu. Le direct sera le soir. Pardon, il faut dire à ta copine. Demande-nous, dis à ta copine Lolo d'aller acheter le terrain même de 100 mètres carrés conçu sa maison. Que quand elle arrive au Cameroun, elle est chez elle. Qu'elle arrête de compter sur les biens de sa, que son père était. Parce qu'ils sont d'une famille polygamie. Oui. Qu'elle soit fière. Qu'elle montre ce qu'elle a. Elle soit fière de ce qu'elle a conçu sur le terrain que son Lolo va acheter là. Tu comprends? Dis à ta copine Lolo qu'elle arrête d'être fière sur la chose de son père. Qu'elle aille faire sa part. Que c'est un conseil de petite sœur. Parce que je suis sa petite, petite sœur. Je ne suis pas son égale, même un peu. Dis-lui qu'elle et moi, on avait le projet de conçu d'aller au Cameroun vivre. Que j'ai commencé ma part. Oh. Que son gnasseur, là, quand je vais seulement faire le clin d'œil, il va comprendre qu'il arrive à me gnasque dans ma maison et non dans le meublé. Il va venir, ok? Il va arracher son gnasseur du coup. Je fais un big up. Je fais un... Je fais un big up, hein? S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez dire à quelqu'un que je suis terriblement amoureuse et que j'aimerais combo avec un journaliste qui a le nom du président de la République. Dites-lui que j'aimerais. Oh! Oh, la Chimamélu Flore de Lille. Oh là là. Ouais, ma faux. Tu sais quoi, ma faux? Non. Nanananana, la maison de ça. Oh, le Mbengoko. Oh là là, Flore de Lille. La ma faux, la PDG. La seule qui ne trompe pas la jeunesse. La seule qui ne trompe pas la jeunesse. La seule qui ne trompe pas la jeunesse. Oui. Oui, oui, c'est de ça qu'il s'agit. La mafou avec sa photo au mur. Allez, arrêtez d'accrocher les photos de, sur le mur des gens. Accrochez les photos chez vous. Oh, la PDG internationale. La mafou Flore de Lille. Toujours et toujours imitée, jamais égalée. Dans sa maison, chez elle. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. On peut être fier. La seule qui ne trompe pas la jeunesse. Le vrai tout, non, c'est challenge maison. Maman, docteur. Donc, vous ne venez même pas sur mon mur. Quand je poste les choses, c'est pour que vous trichez. Hein? Oh, Flore de Lille. Regardez avant. J'ai changé seulement de couleur. Regardez. Oh, mais je suis fière de moi. Envoyez-moi les cœurs, envoyez-moi le café. Oh, le Mbengoko. C'est ça, rentrer au pays, maman. Tu rentres au pays, tu n'as rien, maman. Tu n'as pas où dormir. Oh, Flore de Lille. Trichez même la déco chez moi, non? Regardez, quand je n'avais pas encore accroché la télé, voilà, ça venait de Mbeng. Les rideaux, le roi Merlin. Le roi Merlin, ceux qui ont fait rideaux. Voilà. Regardez, ça c'est Mbeng. C'est de ça qu'il s'agit, maman. Vous allez dire n'importe quoi, vous dépasse. Oh, regardez. Oh, les oiseaux. Allons dehors. Oh, Flore de Lille. La reine mère. Non, tu as fait fort, maman. Oh, non. Rien à dire. Flore de Lille, rien à dire. Si tu veux, non, tu calambènes, tu as ton avis. Oh, Flore de Lille, dis à Marlène, docteur Brakata, moi je te donne, viens dormir même au canapé, non? Non, mon canapé a coûté cher, je l'ai acheté en Belgique. Donc tu peux venir dormir même dehors, là, c'est le Rotten fabriqué au Cameroun. Oh, la mafo, Flore de Lille. Oh. La baie du jardinier était donnée depuis la Bonaberry. Maman, comment ne pas être fière?
Vraiment bravo. Même les chaises, là, j'ai emmené ici, tout ça là. Oui, oui. Venez, avant de rentrer, on ne rentre pas au Cameroun parce qu'on compte sur le gouvernement pour arnaquer. On ne rentre pas au Cameroun quand on n'a pas où dormir. Avant de rentrer au Cameroun, il faut d'abord chercher où dormir. Oui, on rentre au Cameroun déjà quand on a où dormir. Vraiment. C'est honteux, hein? C'est vraiment honteux, hein? Oh, Chémo. Oh, Chémo. Oh, Chémo. Oh, la honte. Je suis la seule que, hein? Même quand l'homme vient me draguer, la peur. Parce que je peux d'abord. Vous comprenez? L'homme te donne par rapport à ce que tu es. Ne reste pas là à rêver que je vais rencontrer un homme sur Facebook. Je vais rencontrer un milliardaire. Même le milliardaire qui vient vers toi, regarde d'abord ce que tu as. Ce que tu as déjà fait. Même ne serait-ce que les idées. Posez même le parapluie, on voit, non? Après, vous avez dit que ce n'est pas chez elle. Voilà, on a commencé à faire. On a vu, non? Ce n'est pas ça. Voilà. On a étayé. Après, vous avez dit que ce n'est pas chez elle. Montre le titre foncier. Là, arraché, on voit. Alors, arraché, on voit. Les filles comme moi, non? Vous savez, les hommes ont peur des gens comme moi. Les femmes comme nous. Quand tu es une femme indépendante, que tu te bats, les hommes ont peur de toi. Parce qu'ils veulent là où les gens vont se mettre à quatre pattes. Vous pensez qu'un homme va venir me parler fort? Celui qui vient, c'est pour m'aider. Est-ce que j'ai le niveau? Une fille qui bâtit, qui a mis les sacs de ciment, les parpaings, les outils, les... Vous pensez qu'un homme va me dire que... Est-ce que je suis au niveau de dire que va m'acheter le sac à main? Au niveau que j'ai faim? Est-ce que mes problèmes se limitent au niveau de la boisson? Ou bien au niveau que... Paye-moi un voyage. Mes problèmes ne se limitent pas à ce niveau. Alors, je suis en chantier. Donc, si un homme me drague, qu'il me dise au moins ce qu'il me donne pour participer à mon chantier. Ce n'est pas ça. Que au moins, maman, voilà même 100 sacs de ciment qui est déposé dans ton chantier. Est-ce que je suis au niveau que j'ai faim? Est-ce que j'ai le niveau encore que j'ai faim? Est-ce que ça, on a ce niveau-là? Même quand tu dis à un gars que mon cœur, ben, comme tu vois là, voilà, il est fier de tes dégâts. Il est fier. Hein? Ce n'est pas qu'il commence à dire que wow, le sac à main, chérie, est-ce que c'est aussi au niveau qu'on me paye le loyer? Aussi au niveau où le gars te dit que hey, maman, je te dépose même un camion de gravier là-bas, même deux camions. Est-ce que nous sommes encore au niveau des sacs à main, maman? Est-ce qu'on marche nu? Hein? Quand nous on veut déranger, on dérange, gars. On dérange le dérangement de ça. En Benesque vit dans la merde. Parce que je suis en chantier, non? Ne vis pas. J'avais dit à Marthe Chopa que Marthe Chopa, je te donne 2 ans pour te présenter une maison en Afrique. Hein? J'ai dit, je te donne 2 ans. C'est comme ça. Je me suis dit, je donne 2 ans. J'ai commencé mon chantier en février. Je vais vous montrer. Je vais vous remontrer seulement. En février 2000 prochain. Voilà, je ne vous montre pas avant. Je vous montre quand ça aura fait 1 an. Moi, je ne comprends pas. Mais c'est honteux. Moi, je trouve que c'est vraiment honteux de voir Dr. Makala. Qu'on expulse. Tu as les relations, tu es sorti avec les ceci, les Obiangema. Ou c'est Obiangema, non? Maman. Donc, les gens-là ne donnent rien. Je ne comprends pas. Hein? Vous avez déjà bipé la Guinée pour dire que leur belle fille est dehors, maman. La belle fille est dehors. Imagine, tu es une femme mariée. Nous, alors, on fait seul. Parce qu'en Bengsa, deux qu'on est fort. Et comme je dis toujours que votre soeur de Reims là-bas qui vit, qui dit qu'elle est. Eh oh, Jésus, tu es mon sauveur. Tu es mon sauveur, Jésus. Alléluia, 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 Jésus, tu es. Alléluia, tu es mon sauveur. Alléluia, tu es. Oh, quand je suis au pays, maman. Alléluia.
Bon sang a signé sur le frigo, hein. Nous voulons vivre avec toi, Jésus. Nous voulons vivre avec toi, Jésus. Oh Seigneur, bénis tous ces vieilles chouettes. Donne-les la sagesse. Donne-les seulement la sagesse de faire quelque chose de bien. Oh, ces vieilles bordels. Que quand le gars les drague, même qu'ils arrivent à faire quelque chose. Ces vieilles bordels, s'il vous plaît. Seigneur. Seigneur. J'ai cherché ma vidéo avec Choucré. Ouais, quand je vais déranger, maman a pourtant. A pourtant à Choucré. A Dieu, tu put. Quand je vais déranger. Je pourtant à Choucré. Oh. Je pourtant seulement la vidéo de Choucré. En train d'appuyer la main fouquée. Choucré n'a appuyement de ça. Maman, il faut que je dorme un peu, non? Je vais vous laisser. Ah, Choucré. Oh, mon Choucrette. Okay. Oh, la milliardaire d'Oja. Ah, j'ai vu la milliardaire. Oja, la milliardaire de ça. Ouais, maman. Nous, on sera toujours sur Facebook. Ça va toujours venir nous trouver. Quand tu es une personne qui boit l'alcool, les gens sont fiers. Mais quand tu bâtis, jamais, ils ne sont pas fiers. Mais quand tu es en train de boire l'alcool, que tu te saoules la gueule, voilà, tout le monde est content. J'ai fini avec. Je ne bois plus moi l'alcool, maman. Oh, Fleur de Lille. Oui, oh, Fleur de Lille au village. On va sauf que la mafo. La PDG internationale dans son village, chez elle, dans sa maison qu'elle a construite au village. C'est de ça qu'il s'agit, maman. C'est de ça qu'il s'agit. Et j'ai même construit ma cuisine. Voilà. La PDG internationale, la MAFO, la seule unique, celle que vous allez toujours jalouser, vous êtes toujours imité, jamais égalé. Sur ce, je vous laisse, vous partez dans d'autres murs. Allez régaler les directs à l'heure, je dors d'abord un peu. Réveillez-moi. Demain où tu fais l'anniversaire, tu n'invites pas ta soeur. Oh, faut que fière. Mon frère, ouais. Faut voir. La seule blogueuse qui ne manque pas. Regardez. Fleur de Lille a son immeuble. Qui m'appelle? Les gens qui descendent. Ils voient même comment les choses poussent là, ma. Oh, quand j'étais là pour monter mon immeuble. C'était quand? Il y a combien de temps? Regardez bien. Regarde la dame, si elle prend les loyers vont augmenter à la résidence, quoi. Donc ceux qui habitent là-bas, là. Elle sèche comme ça, la patate. Elle sèche. Regardez la propriétaire. Voilà la propriétaire. Quand on vient foutre les gens comme les docteurs dehors, tu ne ris pas. On chasse ceux qui ne payent pas le loyer. Oui, on chasse ceux qui ne payent pas le loyer. Ils vont se réparer. Ceux qui ne payent pas le loyer. On les met dehors. Les gens qui ne payent pas les loyers. On vous met à la porte. Elle est gros bras. Descends, non. Ça va, ma fille Priscaline? Non, je vais entrer, je vais aller saluer. Comment il faut faire pour nos parents, c'est important. Ceux qui ne payent pas le loyer ici. Voilà la propriétaire. Qui paye le loyer? Pomosa piment chaud, ma baisse. Voilà la propriétaire qui arrive sur les lieux dégagés, ceux qui ne payent pas le loyer. Oh, la propriétaire. Laisse d'abord la regarder. L'agent de Truy. Non, la résidence a changé, il y a eu les travaux. Les arbres même, ça pousse même, c'est-à-dire que ça, il y a les trucs même qui poussent même sur les... Oh, quand la propriétaire lève la tête pour regarder son immeuble. Le premier immeuble du quartier, c'est moi. Regardez alors. Le premier immeuble de ce coin, ça porte mon nom, résidence Flore. Tu arrives à l'opon, fais un goudron basson, tu dis que tu vas aller à résidence Flore, on t'amène. Les motos connaissent. Résidence Flore. Les champions qui ne payent pas les loyers là. La propriétaire est là. Il y avait à la résidence, 8 appartements. Hé, hey, maman. Mon agent. Regardez, voilà l'immeuble, hein. C'est ça ici, hein. Mon agent. Voilà la résidence Flore, hein. Tu
que j'avais su. Conçu de 2009 maman, j'ai à 2010, inauguré en 2011. Sur devant voilà. Chez moi. Là-bas derrière, ce que vous voyez là. C'est ça. Vous voyez là-bas derrière, non? Elles sont jeunes. Ce n'est pas le chez elles. Ce n'est pas pour elles. N'importe quoi. Que la AVC prenne seulement les jaloux une fois. Après, on monte sur le terrain où le centre est conçu maintenant là. Ceux qui ne payent pas le loyer, maman, les gens ne payent pas le loyer ici là. Regardez comment on prend les habits, on sèche. Devant la... Je vais m'aller, on va saluer, c'est qui? Ils sont maman, à l'église. Je n'aime pas trop aller chez moi parce que quand ils voient. On ne voit pas, vous ne voyez pas, je vais entrer. Voilà. Est-ce que c'est le jeu? C'est ça. La bailleresse. C'est qu'elle n'aime pas trop me faire voir. Il faut capturer. Chaque temps, chaque temps. Tu dois entretenir ton bien. C'est moi qui dois entretenir. J'habite là. Tu parles quoi qu'elle doit entretenir mon bien. Chaque temps, chaque temps. R plus 3. Ça fait 8. 3 chambres par appartement, mes frères. 2 salles de bain. Les bizarres qui poussent là, ils ne peuvent pas envoyer la main pour attraper. Maman, ça. Les locataires qui n'entretiennent pas. On monte, je monte. On va monter les escaliers. Regarde. Comment c'est oui. Sale. Eh, on a travaillé ici à la cour, eh. Bonjour. Les locataires ont fui. On a bien travaillé les fosses là. Il faut refaire les travaux tout le temps. On monte. Habillé, hein. La lue, hein. Ça, c'est le reste des pavés. Ah. Les interposes ils fonctionnent même encore. Mon Dieu, je voulais faire comment ben. Ça ne fonctionne même pas. Jusqu'à mettre l'interphone, voir ce que c'est devenu. Elle va acheter les interphones ici chez le roi mais là. Voir ce que c'est devenu. Regardez. Je monte. On va monter. Quand la chose de quelqu'un, franchement. Ah oui. Bonjour, ça va hein? La femme ne parle pas. Elle hein? Est là. Elle est partie au marché. La propriété est là. La propriété qui est là. Tous ceux qui ne payent pas le loyer dehors. Et mamie, elle quoi, mamie? La présidente m'a faute. Tu m'as cité d'abord avant pourquoi? Maman. Parce qu'on t'a motivé. Maman. Maman. C'est bien comme tu as découvert la vérité que c'est la jalousie, non, ma fille. Ils vont aller où? Kogo. Kogo. Le type qui est en Bengla. Il est où là? Le Benguis là, bonjour. Il y a même les benguis qui louent chez moi. Ça, c'est quand il était au Cameroun. On avance un peu, non? Le gardien est là. La pub. On attend. Ah oui. C'est de ça qu'il s'agit, mon frère. La maison ne pourrit pas. Le gardien est là. Mais il faut cotiser pour payer le gardien. Quand les bandits vont venir vous agresser. C'est... Non, c'est une idée. C'est pas moi qui va payer le gardien. Hein. C'est vous qui habitez là. Voilà, il faut cotiser pour payer le gardien. Oh, la patronne a. Non, il faut proposer. Non, les patronnes sur Facebook. Patronne a dans la vie réelle. Oh, la patronne a de ça. Même mes amis me jalousent. Mes vrais amis autour de moi me jalousent. Ils ne comprennent pas. Tu es. Elles ont plus que moi. Mais elles me jalousent. Ceci a mis son portail. Ils ont mis les portails. Voilà, je vous montre en bas. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Les autres secouent les voilà. Gros nibas. On fait le wakanjo. On vient chercher ici en Bengualo. Mon immeuble est propre. C'est fermé. Les carreaux partout, maman. Regardez bien comment ça entretenu. On dirait qu'ils ont senti que j'ai investi, maman. Pas le bébé qu'on dit. Attendez, on va monter en haut où je suis en train de construire. Voilà. Une tata de confiance. Au milieu. Bon, voilà mon terrain où je suis en train de construire. On construit partout. Même mes voisins disent que viens construire, non. Voilà où je suis en train de construire. Les plantes qui sont dans le champ là. J'espère que personne ne va couper. Voilà, je vendais d'abord, j'ai dit qu'elle ne vend pas. Ici, alors. Les jaloux vont maigrir. Ça, c'est mon terrain où je suis un peu conçu. Ici, les pavés, la dame. Donc, voilà ma maison de rêve que j'avais. Vous voyez. J'avais commencé, j'ai abandonné. Donc, ça, c'est mon terrain qui part de là à là. J'entre au champ. Les gens qui veulent ces ordures.
Voilà. Le régime de planteur, là, ça, ici, c'est à moi, ici, comme ça. Vous voyez? Ça, c'est ma maison. Merci pour la personne qui défriche, vraiment. Oui? Ça va, hein? Eh, hey, donc, tu es toujours là? J'espère que quand je vais construire, c'est toi qui as nettoyé. Tu es sûr? Hey, je pense qu'elle va relancer mon chantier. Descends, non? Il n'y a pas les serpents ici, là. Ça, ce sont mes parpaings, hein. Voilà. Voilà, ça, alors. J'avais mis 10 000 parpaings ici. Ce sont mes parpaings. Voilà, alors. Voilà une femme. Je vais vous montrer. Vous voyez ça, non? Là-bas, c'est tout mes parpaings. Vous voyez, non? Oui, oui, tout ça. On va se montrer. Vous avez vu, non? Vous voyez ici. Terrain, là. J'ai commencé à construire. Je cherche un bon gars. C'est ça qui est un peu serpent ici. Donc, si maison là. Donc, moi, c'est là. Donc, je vends. Avant, je vendais, ne vends plus. Ça contourne comme ça. Là-bas, vous voyez. Tout ça là. Sorti, là. N'a fourmi. Donc, maintenant, je vous montre. Donc, c'est donc ici. Mes amours, donc, c'est là. Là, vous venez de voir. C'est où j'ai fait ça. Voilà. Donc, là, vous venez de voir là. C'est donc là où il y a ceci que j'ai commencé. Ça fait 2 mois. Ça fait 2 mois que j'ai commencé. Donc, on est donc comme ça. Voilà le résultat. Nous, on a les vrais classes sur les chantiers. Donc, là où je vais monter, là, c'est dans ça maintenant. C'est donc ça maintenant. Je vous avais montré, il y avait les herbes, il y a les serpents, les champs, là. C'est donc ça qui est monté, ce qu'on a dallé, là. Est-ce que nous, on fait le bruit? On a des doux bruits. On ne fait pas le bruit. Est-ce que nous, on est à l'heure du frigo, maman? Voilà le terrain. J'ai 500 mètres carrés là-bas. Non, j'ai conçu sur 240 mètres carrés. Donc voilà. Il y a de quoi être fier, non? Voilà. Voici la représentante de la jeunesse camerounaise. Le reste, on laisse. Non? Allez regarder d'autres directs. Il ne faudrait pas qu'on dise qu'à cause de moi, il n'y a pas l'audience dans les directs. Je coupe alors. Bisous, non. Courage. Pardon, quand vous voulez faire, ne regardez pas d'être milliardaire. Ma, pour la maison. Non, c'est un duplex, chérie. C'est un duplex. C'est un duplex, amour. C'est le duplex, chérie. C'est le duplex. Ça, c'est ma maison dans mon village que j'ai fait construire. Voilà ça. Ça, c'est dans mon village, à Fokwe. Femme vaillante. Femme courageuse. Femme qui n'a pas peur. Voilà. Ça, c'est dans mon village, au village. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce qu'on parle que le bébé? Il faut oser, non? Bon. Ma forêt, non, je suis fatiguée. Je dors un peu. Bisous, non, à tout à l'heure, 20h.